Recoucou, voilà la suite. Donc, étape précédente, on a fait la page de base et on a collé. Ah, j'ai oublié de vérifier un truc. Ça, je me suis retrouvée coincée au dernier album. Vérifiez bien quand vous avez, une fois que vous avez collé vos deux parties ensemble pour fabriquer une page de base, qu'il n'y a pas un peu de colle qui a bavé et que vous n'arriverez pas à mettre l'insert dedans. Voilà. Là, on va faire une carte. On va faire une carte. On va faire une pochette. Tac, tac. Et là, on va faire une carte. Bon, ben voilà. On a bientôt fini l'album. Ici, la carte, elle doit faire, oups, là, un peu moins que 21 par un peu moins que 16,2. Hein, tout bêtement. Alors, on va faire 20. Et un peu moins que 16,2, ben on va pas s'embêter, on va faire 14,85. C'est-à-dire que vous la pliez en deux. Voilà. 14,85. Ça, c'est pas compliqué. Et là, au moins, vous avez la place de mettre des grandes photos. Alors, vous pouvez la faire un peu plus petite si vous avez envie. Et voilà. Là, c'est bon. Déjà, une chose de faite. Il suffira juste de l'ancrer et de la décorer. C'est pas bien compliqué. Ici, on va faire une pochette. Donc, par contre, pour l'instant, j'ai aucune chute en longueur. J'ai même pas des chutes de quand j'ai fait autre chose, non. Non, parce que je l'ai depuis très peu de temps, ce papier gris. Donc, j'ai pas beaucoup de chutes de gris. Alors, on veut une pochette de quelle hauteur? On a. Nos papiers font 30,5, enfin 30,4, très exactement. Enfin, très exactement, non, approximativement, puisqu'ils ne sont pas en centimètres. Donc, à peu près 30,4, donc 15,2, on est à la moitié. Même une pochette de 7 et quelques, ça fait beaucoup, hein. Et là, quand je coupe 21, il me reste donc 9,5. Et par contre, la moitié de 9,5, 4,75, c'est petit pour une pochette. Ça m'embête. Vous savez quoi? On va pas faire la pochette tout de suite. On va attendre d'avoir des chutes de papier pour savoir à quelle taille sont nos chutes de papier et on fera la pochette à ce moment-là. Bon, je dis que ça, c'est un bon plan. Et pareil ici, on va probablement pas décorer avec un grand morceau de papier scrap. On décorera peut-être là que au milieu avec une jolie chute, comme par exemple, vous voyez un truc comme ça là, par exemple, une chute comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, là, on ne décore pas. J'ai mal plié mon truc mûche. Alors ça, c'est pas très grave, mais il faut penser avant d'ancrer de rectifier. Voilà, pour que les bords là soient bien bord à bord. Donc là, pour l'instant, on laisse tomber cette page-là. Et on tourne pour faire l'arrière. Alors, l'album précédent, j'avais vraiment beaucoup de jolies cartes. Donc, la capacité de stockage de photos dans l'album était principalement sur des dépliants décorés par une carte. Là, j'ai pas de carte dans cet album. Donc, on va faire un waterfall. Ah mais j'ai encore oublié le mot, une cascade. Voilà. Allez, on va faire une cascade. Donc, à savoir, est-ce qu'on fait la cascade dans ce sens-là?
Ou est-ce qu'on l'a fait dans ce sens-là? Dans ce sens-là, on mettra beaucoup moins de photos. Dans ce sens-là, 10,5, c'est pas mal. On peut en mettre 10 et 10, 20 photos. Ça peut faire une sacrément grosse cascade. Et dans l'autre sens, on en met 5, la moitié. Donc, on va faire la cascade dans ce sens-là. Hein? Alors, pour faire la cascade, ça serait déjà bien d'avoir coupé les 4 pages de base parce que on aurait comme ça 8 chutes de papier. On en a déjà utilisé 2 là, hein? Mais on aurait plein de chutes comme ça. Donc, je vais me mettre hors cam et je vais me mettre en pause. Et je vais découper mes 4 pages de base pour avoir mes chutes de papier. À tout de suite. Me revoilà. 1, 2. En plus, je me suis trompée en coupant un papier. Donc, je vais avoir une chute de plus. Enfin, bon, peu importe. Voilà, je me suis trompée en coupant celui-là. Donc, on en a 1, 2, 3. 4, 5, 6, ce qui est logique puisqu'on en a déjà utilisé 2. Donc on va les couper à 10,5. Non, je ne sais plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, à 10,5. 10,5 par 16,2. Allez, hop, avec un pli, hein, donc 11,5. 11,5 par 16,2. Alors, 16,2. Onze et demi. Et un pli à 10,5. Enfin, à 1 cm. Voilà. Il faudra peut-être en faire donc 6. On va peut-être en faire 4 de plus, mais ça serait quand même pas malheureux si on n'avait pas à un moment ou un autre des chutes de cette taille-là. Donc pour l'instant, ne coupez rien. 16,2, 11,5 et 10,5. Ça, c'est pas un truc qui me gêne, moi, de commencer une cascade. Et d'attendre d'avoir les chutes. Voilà, vous les faites toutes. Ok, je vous épargne le travail. Et pour une fois, vous n'épointez surtout pas les onglets de collage. Où est ma page? Elle est là. Donc là, on est tellement au bord qu'on n'a pas besoin pour l'instant de mettre un papier de scrap. On n'en mettra un que à la fin. On n'a même pas besoin de mettre le papier noir. On n'a besoin de rien puisqu'on est à ras du bord. Donc vous ancrez. Vous pensez bien d'ancrer. Recto, verso, les onglets de collage. Alors, pas le bout de l'onglet de collage, on s'en fiche, hein, mais la partie qui se voit là. Vous l'ancrez bien recto, verso. Comme c'est de l'encre noire, j'ancre pas très large. Hein. Vous avez remarqué, je viens pas de manière très large sur mon papier. Je vais vous le montrer. Hop. Si vous tenez votre outil là, comme ça, vous ancrez pas beaucoup. Si vous le tenez presque à plat, vous ancrez beaucoup. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, c'est quand même du noir. J'ancre pas non plus. J'ancre pas non plus super large. Je veux pas qu'on voit 3 tonnes de noir.
Déjà que j'ai décidé de mater en noir, ça suffit quoi, ça fait beaucoup de noir. J'ai maté, j'ai ancré des deux côtés là. Non, ça semblait bien. Voilà. Alors, je vous montre comment on procède. Au cas où vous ne l'ayez jamais fait. La première, on replie l'onglet de collage dessous. On la colle là. Voilà. On fait attention d'être bien ici, parallèle. Au cas où on triche un peu là. Voilà. On la colle ici. Ben, je vais la faire, hein, je vais la coller. Voilà. On mettra peut-être un papier de scrap sur la première, mais sur les suivantes, non. Puisque les suivantes sont tout juste à la taille d'une photo. Il n'y a pas de raison, pas besoin de papier de scrap. Là, il faut peut-être quand même, vu qu'on est très au bord du papier, mettre un tout petit peu d'encre sur le bord de l'onglet de collage, les bouts de l'onglet de collage. La deuxième, donc, il faudrait qu'elle soit bien ancrée aussi, que le pli soit bien marqué. Voilà. Et on le met à plat, le pli. Et on vient la coller. Merde, pourquoi j'ai coupé? Ah, mais c'est parce que c'était la première, celle-là. Ah, zut, du coup, là, les onglets de colla... Zut. Si j'aurais pu l'utiliser, mais dessous. Bref, trop tard. Elle servira ailleurs, vous inquiétez pas. Et là, la deuxième, on vient mettre l'onglet de collage sur l'onglet de collage de la première. Ok, donc celui-ci, à partir de maintenant, les onglets de collage, il faut les ancrer. Voilà. Parce qu'il va être là, et donc il se voit. Ok, donc à partir de maintenant, il faut les ancrer. On ancre tout. Tous les bords et, le pli recto-verso, on ancre tout. Alors, le pli là, peut-être pas le pli là. Je suis en train de me demander. Non, celui-là, c'est... Bah, si. Allez, hop. Voilà. On ancre recto et verso. Tac, zim, boum, et le pli. Mettez la colle sur l'onglet de collage. Ça, c'est les deux premières. Donc, le collage est un peu particulier puisque on n'a pas de bord ici. Hein, donc, on planque l'onglet de collage sous l'autre. Les suivantes sont beaucoup plus simples, sauf que je ne les ai pas coupées. Donc, on va imaginer que c'est la suivante. On vient juste se mettre ici
l'onglet de collage contre la précédente. Voilà, et on colle. Puis on tourne, on prend la suivante, hop, et on vient mettre l'onglet de collage contre la précédente. Et on va comme ça jusqu'à arriver pratiquement au bout. Ensuite, donc celle-là, moi, elle ne va pas faire. Ensuite, comme on est sur une page, on est sur ce côté-là, donc la reliure va être là. Ok, la reliure va être là. Quand on va venir tourner, toutes ces pages-là, elles vont s'ouvrir, elles vont venir se planter là, et elles vont se corner et nous embêter. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose ici. Alors, on a deux solutions. Première solution, on met un flip ici, et on mettra un aimant, mais il est un peu court pour venir couvrir la première là. Ou alors, on met une petite bande là, qui vient ici, et donc quand on tourne, il n'y a rien qui bouge, rien qui vient s'abîmer. Je pense qu'on va faire la petite bande. Voilà. Alors c'est pareil, il se peut que j'attende pour faire la petite bande de voir ce que j'ai comme chute de papier. Pour pas gaspiller. Donc là, je vous laisse faire le waterfall jusque à la fin. Voilà, vous pouvez venir jusqu'au bout là. Si vous avez envie de mettre 40 photos, enfin 20 photos sur cette page-là et largement plus de 40 dans tout l'album, vous venez jusqu'au bout. Sinon, si vous n'avez pas envie, vous arrêtez votre cascade. Je vais y arriver un jour à parler français, hein. Vous arrêtez votre cascade où vous avez envie. Voilà. Ne serait-ce par exemple que au moins un centimètre avant la fin. Voilà, vous arrêtez un centimètre avant la fin et là on aura un autre rabat. Ensuite, on mettra peut-être du papier de scrap là, des lamelles, pour qu'au total ça fasse toute une image comme un pulse. C'est tout ce qu'il y avait pour cette page là. Oui, donc je vous montrerai, moi je vais la faire hors cam, tranquillou. Et là je commence un peu à fatiguer. Et je vous montrerai le résultat après. À la prochaine vidéo. Voilà, bye bye, bonne nuit.